Le French Test de ce matin, consacré à la Journée internationale de la femme. On a pris une digne représentante de vous, les filles. C'est la connasse de Canal+. Bonjour. Bonjour, j'aime bien elle. Elle fait tout pour énerver les gens quand elle va dans la rue. Ça va ? Ça va ? Ça va bien, oui, oui, pas mal, pas mal. Allô ? Oui, on va appeler les familles. Ah, ben on va y aller, oui. On va y aller. C'est quoi son prénom, cette jeune Camille fille ? Camille Cotin. Ah, Camille, c'est ça, c'est Camille. Bienvenue à toi, Camille. On va donc s'occuper des Français. On va passer un petit coup de fil aux Français avec Camille. On les a mis en contact avec cette star du cinéma français. Avec la connasse. Avec cette star qui s'appelle donc la connasse. C'est parti pour le French Test. Le French Test sur Skyrock. Eh bien, c'est parti. Camille, la connasse, mise en contact avec Jean-Louis. Qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, voici, juste avant de jouer ensemble, le petit coup de fil de Camille à Jean-Loup. C'est la connasse sur Sky. Bonjour. Comment ? Camilla, de Comtesse of Paris Intramuros. Bah, vous êtes pas bien ou quoi ? Ça sent la chatte ici. Oula. T'es carrément bourré ou quoi, toi ? T'es bougré. Tu boirais plus jamais d'alcool. Bring me a beer. Si t'as quelque chose dans le pantalon, tu viens devant chez moi. C'est une fille, hein ? Ouais, elle fait vraiment une chaleur de pute en ce moment. Ah ben, je crois que c'est toi qui es une pute, hein. Oh. Attendez, je suis en train d'avoir un orgasme, là. Si tu arrêtes pas, moi j'appelle les gendarmes. Allez. Dégage, Pete Doherty, c'est mon coin. Bon, quoi, dégage, non, tu te crois où, toi ? Il y a bien une chose que je déteste dans la vie, c'est qu'on se mette en travers de mon chemin. Eh ben attends, qui est-ce qui m'embête, là ? Pour l'instant, c'est vous qui m'embêtez. J'ai absolument pas la vie que je mérite, et je veux plus jamais travailler. Ah ben, tu fais ce que tu veux, si tu veux pas travailler, je vais arrêter, moi. Moi, il me faudrait des domestiques, des amis photogéniques. Ouais. Vraiment, t'es un peu, je crois, t'es un peu dérangé la cervelle. Dérangé la cervelle. Donc j'ai réfléchi toute la nuit. La seule solution que je vois, c'est de devenir héritière. Et donc, pour ça, hériter de ma mère. Ah bah, je pense, oui. En fait, je voudrais avoir l'usufruit de son argent sans qu'elle soit nécessairement d'accord. Voilà. Allez, va te faire foutre un peu. Va te faire merci, foutre. Mais non merci pour ce moment. Merci pour ce moment, c'était super. C'est tellement mignon. Ouais. Merci. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est que Jean-Louis a discuté. Discuté un petit peu avec la connasse. C'est normal. Oui, oui. Trouvait la conversation très intéressante, Jean-Louis. Ah, ben il est resté en ligne, il était content. Hein. Eh bien, il a rendu hommage aux femmes et à la connasse dans cette journée de la femme. Magnifique. On en a eu de la chance. Et bonne fête à toutes les femmes. Merci. Et bonne fête à vous, les filles. On vous embrasse.